Salut, salut, Hey, salut mon pote! Waouh, elles sont super stylées tes lunettes! Tu les as chopées d'où? Ah bah merci, merci! Bah c'est les lunettes Gunnar! 5% de réduction avec le lien dans la description! C'est pas vrai, la classe? Ah ouais, bah la classe! Bah attends, tu bois plus de Red Bull? Ah mais. Qu'est-ce que tu fais avec bon, l'Orangina? L'Orangina, enfin. Faut varier un peu de temps en temps. Ah là là, le retour des montages. Alias 2017, M-Colo et M-Clono le retour. Eh bien salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très particulière que j'avais envie de faire depuis un petit moment. Ça change complètement d'habitude. On se retrouve pas sur Minecraft, non. On se retrouve sur des plagiats de Minecraft. Et je pèse mes mots, je suis désolé s'il y a des joueurs, des jeux auxquels on va jouer aujourd'hui. D'ailleurs aujourd'hui c'est une vidéo où on va jouer sur des jeux mobiles, hein. Je vous le dis direct, ça change de d'habitude. Alors c'est pas une vidéo sponsorisée par des jeux mobiles, je vous rassure. Aujourd'hui on va essayer de jouer à Realm Craft et à Mini Block Craft. Le problème, les amis, c'est que Realm Craft se vante complètement d'avoir les skins de Minecraft. Ils représentent presque le même logo que Minecraft et voilà, ils se vantent du fait que ça ressemble à Minecraft alors que ce n'est pas du tout affilié à Mojang. Normalement c'est pas normal que ça existe, en plus c'est gratuit, du coup c'est ça le truc. Dans cette vidéo je suis pas en train de lyncher vous les joueurs qui jouez peut-être à Realm Craft, hein. Vous faites ce que vous voulez. Ceux qui peuvent pas investir de l'argent pour jouer à Minecraft, eh bien je comprends parfaitement de se retrouver sur ce genre de jeu, mais moi je trouve ça pas correct de la part des créateurs de ce jeu d'avoir complètement pompé un jeu. Donc on va voir si ça ressemble ou pas à Minecraft. J'ai très peur et j'ai très hâte en même temps. Donc les amis, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, pouce bleu et enjoy. Voilà. On va mettre évidemment les lunettes Gunnar parce que même sur le téléphone, forcément, il y a des lumières bleues, donc on se fait plaisir. Donc là, les amis, voilà, Realm Craft, les gars, ça ressemble quand même étrangement au logo de Minecraft. Donc je l'ai pas lancé, je vais le lancer pour la première fois, c'est parti. Permettre à Realm Craft d'accéder aux photos. Bah oui, regarde toutes les nudes, évidemment, vas-y, regarde, voilà, il y a des photos de ma bite. Permettre à Realm Craft d'accéder à la position. Alors faut peut-être pas non plus pousser mémé dans les orties, hein. Oula, le printemps est arrivé, nous avons donc préparé des cadeaux pour vous. Ah ouais, alors là, il est en train de me connecter au Google Play Store, mon pote. Oh là là. Voilà, c'est bon, je confirme. Alors on se retrouve avec un très beau menu, hein, Realm Craft. Créatif, survie, monde et mini-jeu. Sympa. On a les paramètres, on va directement regarder volume de la musique. Ok, on a de la musique, je l'entends pas, il n'y a pas de musique. Vue à la troisième personne, niveau de difficulté, genre masculin, féminin, bande dessinée. Très bien, sensibilité, ok. On a pas mal de paramètres. Alors faut savoir que c'est quand même un jeu qui est bien mis en place. Ah, je peux changer mon pseudo, yes. Bah vas-y, direct, je vais m'appeler M'Colo. J'ai peur de me faire hacker si je vous divulgue ma clé publique, je ne sais pas à quoi ça correspond, donc je flouterai au montage, voilà. Je ne sais pas du tout ce que c'est, les gars. Test de performance, ah c'est sympa. Non mais t'inquiète, moi j'ai un téléphone de l'espace, mon pote, pas du tout. Vas-y, on va faire survie, je m'en fous. Alors je peux même aller dans l'engrenage. Alors, mes mondes, nouveau monde, peau. Ah, je peux changer de peau, mec. Vas-y, je vais prendre ce personnage-là, je l'aime bien. Ah, celui-là, regardez, on dirait Toonfou. Donc, je vais faire nouveau monde. Je vais appeler le monde catastrophe. Ok, c'est parti. Difficulté facile. Ok, construction du monde. Alors, ce qui est terrible, du coup, c'est comme c'est un jeu gratuit, il y a forcément des pubs sur l'application. Donc, vous voyez, en haut, il y a voilà, les meilleurs jeux, jouer les meilleurs jeux sur votre mobile. Donc, ça, c'est des publicités. Ok, ça y est, je suis dans le monde. Oh là là, les gars, c'est un truc de ouf. Les gars. Regardez, attendez, ok, moi je vais rigoler, je suis désolé les gars, mais c'est énorme parce que, genre, la main, il y a tout qui est cubique et puis la main, elle est genre, alors attends, on peut casser? Comment ça marche? Alors ça c'est pour sauter, je comprends rien les gars. Est-ce que je peux casser de la terre? Je suis désolé mais j'ai l'impression qu'il fait autre chose avec sa main. En fait, en général quand tu fais ce geste, si je puis me permettre, c'est pas pour casser de la terre, hein. Enfin, moi perso, je fais rarement ça pour ça. Alors là, j'ai un cadeau visiblement, ça doit être un coffre. Ah mince, attends, j'ai posé de la terre. Oh les gars. Les gars, je fais comment pour récupérer? Comment je fais pour récupérer? Il faut que j'ai rien dans la main, je pense. Hop. Ah, fallait que je casse. On peut pas ouvrir les... Ok, donc là, j'ai gagné de la TNT. Fantastique. Bon, là, je suis en train de casser du bois, hein. C'est incroyable, les amis. Oh là! La quête est terminée, obtenez quelques bois, voici votre prix. Putain, j'ai gagné des trucs. Ah, il faut que je crée un établi. J'ai hâte de voir les crafts, comment ça fonctionne, parce que si c'est exactement pareil que sur Minecraft... Je porte plainte. Vas-y, alors comment on ouvre l'inventaire? On fait comme ça. Et je m'y connais de ouf. Ah non, c'est pas comme ça. Comment on fait pour crafter? Oh yes! Regardez, c'est la même chose. Là, c'est pour faire des planches. Je comprends rien. Non, ça, c'est l'inventaire. Ça, c'est ce stuff. Je comprends rien. Allez, hein. Ah yes! En gros, tu peux pas disposer comme tu veux les trucs. Mais par contre, tu peux demander les crafts. Genre là, bam, voilà, établi. Et c'est exactement les mêmes crafts que Minecraft, hein. Génial. Parce que si c'est exactement pareil que sur Minecraft, je porte plainte.
Et donc là, j'ai un établi dans la main que je vais pouvoir poser. Tac. Et là, je vais pouvoir crafter, bah, comme sur Minecraft, tout ce que je veux. Regardez, on va se faire une pioche. Donc je clique sur la pioche. Bam. Et puis ça me la craft directement si j'ai ce qu'il faut. Pareil pour l'épée. Hop. Voilà. Est-ce que au moins on peut réorganiser son inventaire? Ça, ce serait plutôt pas mal. Est-ce que je peux par exemple prendre l'épée et la mettre en slot numéro 1? On peut rien faire, les gars. Ah, là-bas, regardez. Là-bas, il y a un oiseau. C'est un oiseau? Ah ouais. Ça, c'est pour pas avoir des problèmes avec Mojang. Hein. Alors, comment je fais pour la taper, là? Voilà, j'ai tué un corbeau. C'est-à-dire, ils ont pompé le jeu. Ils ont tout fait pareil. Mais pour pas avoir trop de problèmes, ils ont quand même modifié des trucs. Par contre, mon épée, qu'est-ce qu'elle fait là dans... D'accord, mais si, j'ai compris comment faire pour déplacer son inventaire. Ah, ce jeu commence à devenir agréable. On va faire un let's play sur le jeu, les amis. Vous allez kiffer. Je pense qu'on peut courir. Ouais, j'ai fait un double clic, ça marche. T'es sérieux, mec? Eh, vous avez entendu le dégât de chute? C'est exactement le même bruitage que sur Minecraft. Je ne fais pas peur. Oh! Ah, il m'a fait peur, le zombie. Je croyais que c'était moi qui m'essoufflais. Allez, casse-toi. T'es moche. Ok, il m'a donné... Eh, il m'a donné une étoile. Ah, c'est des pièces, en fait. Eh, venez, on va essayer de se poser, genre, dans un endroit sympa. Là-bas, il y a une plaine, là. On va aller s'installer dans la plaine, les gars. On va aller faire une maison, là-bas. Oh, il y a des mines. Mais oui, il y a des mines, il y a du charbon. Mais les gars, c'est généré de la même façon que Minecraft. Il y a une spider, ici. Non, mais c'est un truc de ouf. Oh, il y a un coffre. Par contre, ouais, il y a des coffres bonus un peu partout. Comment je fais pour prendre le coffre? Il faut que je casse le coffre. C'est nul. Là, j'ai gagné des pièces, visiblement. Je comprends rien. Salut l'araignée. Est-ce qu'elle est gentille? Ouais, elle m'attaque pas de jour, regardez. C'est comme sur Minecraft, hein. L'araignée, elle m'attaque pas de jour, quoi. Et si je la tape? Ah là, d'un seul coup, elle est méchante. Par contre, j'aime bien la modélisation. Elle est sympa, la modélisation. Ça, c'était pour pas avoir des problèmes avec Mojang, ça, je te le dis. Hein. On a un petit ours. Bonjour, petit ours. Oh! Il est pas gentil, en fait. Allez, casse-toi, je te tape. Bon, avec une épée en bois, c'est pas pratique, hein, je suis bien d'accord. Oh putain. C'est bien fait, par contre. Enfin, quand je dis c'est bien fait, vous m'avez compris, quoi. Par contre, toi, ouais, il m'attaque tout seul alors que je demande rien, donc calmez-vous, en fait. Et tiens, est-ce qu'un jour le soleil se couche? Ça, c'est une question que je me... Eh ben, en fait, pile au moment où je pose la question, le soleil se couche. C'est incroyable, c'est incroyable. Eh ben, c'est le début des emmerdes. Mais attends, ouais, je vais faire demi-tour parce que là-bas, il y avait des mines. Oh, il y a des squelettes. Oh là là, je me fais allumer, là. Je me fais complètement allumer par des squelettes. Je vois le charbon, les gars. On va être sauvés, on va faire des torches. Allez, casse-moi le charbon. Voilà. Et là, normalement, je vais pouvoir crafter si j'ai bien compris comment ça marche. Voilà. Vous n'avez pas assez d'ingrédients, mais bien sûr que si. Ah, voilà. Je prends la torche. Ah ouais, ça éclaire dans la main, c'est énorme. Je peux poser une torche, voilà, comme ça. Ah ouais, ça éclaire bien, par contre. Hein. C'est méga agréable. Eh ben, nickel. Alors, regardez, on a une petite base, là. Ah non, c'est une sortie de grotte, attendez, là c'est pas assez... Ah! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça m'a vraiment fait peur, casse-toi. Oh, on dirait des silverfish. Non, on dirait des slimes. En fait, ah, mais c'est des slimes en fait, complètement. Boule de slime, ah ouais. Oh, les développeurs du jeu, vous avez craqué. De la pierre moussue, de la granite. De la c'est Minecraft quoi. Mais vraiment, moi ça me... Hop là, je viens de baisser mon siège. Eh, furtivement, vous avez rien remarqué. Non, c'est un truc de ouf. Eh, c'est bien sur la caméra, vous voyez comment ça a foiré là le... Oui, parce que du coup, je suis pas allé chez le coiffeur, mais vous voyez que j'ai plus de cheveux non plus, donc c'est un peu un fiasco là derrière. Là. Bon, ça va, c'est pas pire que Michou. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 24 cobbles? Alors, j'ai une table de craft, évidemment, je vais la poser. Oh là là, regardez, on peut faire un fourneau, on peut faire de l'andésite, on peut faire des murets de pierre, ça m'aurait étonné, des escaliers, des dalles, rouge-rose, ah, c'est du colorant. Alambic, il y a vraiment tout ce qui existe sur Minecraft et il y a quelques ajouts. Voilà, c'est ça ce qui est incroyable. Je vais me balader, j'ai l'impression qu'il fait quand même plus jour dehors, même s'il fait nuit, mais il fait plus. Ah, l'araignée, elle m'a fait peur. Alors, il y a plein de méchants, mais l'araignée ne m'attaque pas. Regardez, l'araignée ne m'attaque pas. Parce qu'elle m'a pas vu. Non, l'araignée. Ah, regardez, l'araignée, elle ne m'attaque pas du tout. Alors là, par contre. Les développeurs, vous avez très mal plagié Minecraft parce que les araignées, elles nous attaquent la nuit. Hein. Bonjour. Allez, hein, moi, je passe entre les squelettes. Oh, je me fais victime bolos. Il me reste plus grand-chose comme santé. Hein. Ah! Eh ben, je suis mort. Oh, il y a mon âme!
Il y a mon fantôme qui a... Vous avez été tué par le zombie. Ah, je peux réapparaître ou menu principal. Bah vas-y, menu principal. Les gars, on va fouiller de fond en comble. Et il y a un mode multijoueur, je viens de capter. C'est un mode multijoueur, c'est en bêta. Et il y a un mode créatif. Bon, le mode créatif, ça m'intéresse pas. Vas-y voir le mini-jeu. Alors, oh là, bataille de boules de neige, la guerre des œufs et la guerre des lits. Ah ouais, non, ça m'emmerde. Ouais, bah regarde, la guerre des lits, c'est un Bed Wars, mon pote. Putain, ils sont allés jusqu'à plagier le Bed Wars. C'est trop fort. C'est trop fort. Bon, bah écoute, go dans le monde. Ouais, c'est des mondes multijoueurs, putain, c'est énorme. Wow, il y en a, ils font des trucs, regardez. On va pas y aller, hein, mais... Magical Town. Les petits aperçus qu'on voit, c'est impressionnant ce qu'ils ont fait, les gens. Hein. Oh, let's go, je viens de me connecter sur un monde multijoueur, les gars. Ça y est, j'y suis. Et là, je suis où? Les gars, je sais même pas où je suis, mon pote. J'ai un minecart, mais j'imagine, il faut pas que je le pose là, si. Attends, il faut que je monte. Mais attends, pourquoi... Mais what the fuck? Pourquoi j'ai spawné ici? Ah ouais, ça moi je sais c'est quoi, je pense que c'est un mec, il a fait une attraction. Et comme je pense que n'importe qui peut faire ce qu'il veut, attends on va voir. Arrête. Oh c'est pas cool, ça veut dire qu'il y a des gens, ils détruisent les maps des autres en fait. Oh c'est naze. C'est à dire que là je pense qu'il y a un Kiku qui est venu et qui a mis du feu partout. Et il a peut-être cassé l'attraction. Oh non c'est pas cool. Moi j'ai... Mais putain, arrête de casser. Mais en fait, c'est à cause des gens comme moi qui découvrent le jeu et du coup, je casse tout sans faire exprès. Bon bah désolé hein, le gars, j'ai cassé ta map, hein, j'ai pas fait exprès. Enfin, j'ai juste cassé quelques blocs, hein, c'est pas moi qui ai mis le feu, hein, qu'on soit bien d'accord. Et bah les amis, c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Très différente de d'habitude. Si elle vous a plu, encouragez-moi en mettant un pouce bleu. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire, du montage et également ce que vous pensez tout simplement des jeux qui soit plagient ou soit ressemblent énormément à d'autres jeux. N'hésitez pas à débattre de tout ça en commentaire et puis nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Merci à tous, c'était Mkolo. Ciao tout le monde.